ça me bat. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons à un certain moment, le t'es gagné crise dans le pays sur la question du budget et 17-18. Président de la République, là, il était monté dans la télé, l'initiation émission. Maintenant, aujourd'hui, où est passée cette émission? Personne ne sait. Nous ne pouvons pas tomber dans la même dynamique ça, parce que le gouvernement est acculé, eh bien, le Premier ministre, le gouvernement tout au moins, initie les jeux du pétro, et puis après, nous avons pas entendu parler de questions de jeux du pétro encore. Son réponse ponctuelle, immédiate, qui baille. Quelle est la finalité des jeux du pétro, éducateur Alexis? Il y a une dynamique qui dégage dans le gouvernement, il faut nous communiquer avec la population nous-mêmes. C'est peut-être ça que je vous dis. Les lundis, généralement, il y a les lundis de la presse. Nous faisons une intervention. Et si il y a suivant conjoncture, nous faisons une conférence n'importe qui l'heure, n'importe qui jour dans la semaine. Le Premier ministre, qui est coordonnateur de l'action gouvernementale, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui comme élément de question et qui fondamental aussi préciser concernant Petro Caribe. Pas une autorité qui t'a calé aujourd'hui pour dire que il fait la sous-d'oreille, il pas la sous-d'oreille, il pas attendait ça qu'a dit. Mon quoi pas bon et pour pays et pour premier ministre tantôt. S'il te fait la sous-d'oreille. On parler de n'importe qui premier ministre. Bon, on a côté même dans gouvernement avec M. Jean-Henri Séan, il y a encore d'importance que moi m'avait nous échanger, nous discuter sur qui action nous a posé. Nous dit, par exemple, les jeudis, après une communication du gouvernement. Comme nous tenons une dynamique de Petro-Caribé, dans le premier moment, nous faisons la première conférence, la première intervention sur Petro-Caribé. Semaine ça, bon, c'est bon exemple, moi, je dis que le premier ministre pour aller dans le CSPJ, là, dans le CSPJ, il a parlé de Petro-Caribé tout. Il a certainement parlé de rencontre les gagnants avec le membre de CSPJ. Il y a une question qui vient d'importance sur Petro-Caribé. N'a pas répondu. Si pas une question d'importance, nous n'avons pas répondu. Si il y a une information pertinente, tout, dans le niveau gouvernement, nous gagnons sur Petro-Caribé. Nous avons choisi de le lundi, nous avons choisi de le mardi, nous avons choisi de le n'importe qui jour de la semaine. Nous avons fait une convocation. Non, mais pour que ça, jeudi, Petro. Attends. Nous avons fait une convocation jeudi, dimanche, nous partageons l'information. Mais le jeudi, il y aura toujours une communication. Dans la communication, ça va gagner le jeudi, on parlera de Petro-Caribé. Je vais participer pour nous dire que, puisque je n'ai pas dit de Petro-Caribé, je ne connais pas l'autre question sur lui. Donc, moi, je voulais quand même répondre à cette question par anticipation. Nous avons 8 compagnies qui nous ont déjà écrit, nous avons écrit toutes 25 compagnies, mais il y a 6 que nous rencontrons. Dans le nouveau gouvernement, nous travaillons avec eux, nous gardons les contrats, nous travaillons avec eux sur ce qui est dans le contrat et sur la façon dont le contrat est exécuté sous terrain dans le cadre de Petro-Caribé. Permettez-moi pas qu'on dise qui compagnie. Pour que mon balle, je dois être sous yo, et soit en blague parfois au fait sur Petro-Caribé, ou bien de façon sérieuse. Je dois être sur le monde, ou bien sur l'institution. Nous-mêmes, nous ne voulons pas. Nous voulons protéger toute institution, tout le monde qui peut intervenir dans le pays, à un niveau ou à un autre. Donc, nous avons travaillé sur le dossier. Ça. Nous ne pouvons pas faire opacité, nous avons toute information. Et nous ne pouvons pas dormir tout sur le Petro-Caribé. Nous avons une responsabilité pour nous parler, pour nous donner une réponse. Eh bien, n'a participé au niveau n'a pas réponse. Mais est-ce que gouvernement pas remplacé la justice? C'est ça me demande. Le gouvernement est-ce que tout pas influencé et la justice tout. Mais même j'ai anticipé sur question. Gouvernement pas remplacé la justice. C'est un gouvernement qui a signé une résolution. C'est un autre gouvernement qui a signé une résolution. Donc c'est plusieurs gouvernements qui signent une résolution. Dans le cas de continuité l'État il pas qu'à 10 gouvernements il pas concerné. C'est comme si tu as dit l'État qui te bagala dans la rien pas rentrer là-dedans. Et mais à ce moment-là, on va ça qu'a privé dans le pays. Et pas moi qui est victime seulement. C'est pas vous seulement qui êtes victime. Le pays a fait bac. C'est tout le monde, quel que soit responsable, quel que soit coto situé dans la machine, quel que soit coto situé dans le système, ou concerné, ou touché tout. Ça dit que là, on a une responsabilité, on doit travailler. Si vous avez une réponse, si vous participez dans la réponse, vous avez une réponse. Mais je veux dire, question ça, pourquoi pas nous pas diviser sur les Haïti, pas diviser. Sous question, qui côté la Petro-Caribé a passé? Le Premier ministre a posé question à tout. Le président a posé question à tout. Le monde dans la rue a posé question à tout. Pas comprendre, c'est seulement le monde qui a manifesté, c'est qui pose question. Moi, je lâche ton bien en côté ma boue. Go moun ki mande mon bien, m'di mon anglais pour ta bamise, pas moi même, c'est telle autorité. Parce que moun sa, j'aime la cour de manifestation. Ça veut dire, information sa yo di, di circule dans tout niveau dans la société. Tout moun concerné. Eh bien, nous même tout, comme moun ki concerné, je dis à nous, l'histoire place nous non lieu.
qui veut nous gain responsabilité pour nous participer dans la réponse, n'a participer dans la réponse pour mettre moyen à la disposition du juge. C'est l'exécutif, c'est le gouvernement. Est-ce que vous avez dit gouvernement par exemple pas assurer sécurité juge qui a intervenu sur le CP de Caribéan dans le cabinet d'instruction. Si on va arriver ça qui a passé là ça. Donc faut nous anticiper. Est-ce que avec tentative de récupération pas ça. Non. Pas nous-mêmes. Okay. L'opposition est bon. Politique. Avec tentative de récupération mouvement Petro Challenge particulièrement par l'opposition, m'en vi mandé est-ce que nous dormons au niveau du gouvernement parce que Gouagne bon, et pas ça que fait m'a dormi au niveau gouvernement. Yo en pile. Mais c'est parce que alors nous pas le nation yo grande. L'opre de ça qui est passé 17 octobre, et là, plus près de nous, gagné 18 novembre, cap rivé, et nous, ouais, message qui s'en reprale sur les réseaux sociaux, et opposition, entre guillemets, m'a envie de dire ça, mais le terme ne convient pas, presque m'a enragé là, dans le Colita. Et, bon, c'est de bonne guerre si l'opposition m'a enragé dans le Colita pour l'État, par réponse à une question. Non, chambardement. Et, bon, sur la question de chambardement, ou pas chambardement, moi je crois que la société a gagné pour prendre note. Qui est ce monde qui dit aujourd'hui qu'il y a une activité saine et citoyenne, avec qui est ce l'autre monde qui dit eux-mêmes dans l'activité à faire, ils veulent mettre l'autre qualité bagarre là-dedans. À ce moment-là, il faut des contrations en fait. Il y a des gens qui ont goûté au Petro-Caribé pour demander, faire revendication au Petro-Caribé passé, il y a l'autre monde qui a l'autre qualité revendication. Peut-être qu'ils ont droit à ça. Mais pendant qu'ils ont droit à tout, il faut respecter le droit de l'autre monde qui n'a même pas entré dans la même ligne avec eux, qui n'a pas fait la même revendication avec eux. Ça veut dire que la société n'a pas une pensée unique, la société n'a pas un seul groupe social là-dedans, la société a une diversité. Nous souhaitons tout le monde qui a agi dans la société à songer la diversité dans la société. Donc au niveau du pouvoir, on n'a pas ébranlé du tout. On a travaillé pour avoir une réponse à toute question. L'État n'a pas qu'à ébranler. Parce que nous-mêmes qui sommes dans l'État, c'est continuité responsable de la population. Il y a des gens qui ont interprété le nettoyage que le président fait comme un ébranlement éventuel. Bon, le président qui mandé un peu de monde qui est de côté, nous avons cité. Il y a un jet droit sous eux, donc indexé. Dans le pays de l'île, là. Dans le Caraïbe, pour mettre à la disposition de la justice, ça va de dynamique que le président a pensé qui est important par rapport à l'étape dossier à prendre à plusieurs niveaux. Dans plusieurs niveaux, surtout sur le plan politique, pour que lui-même lui montre comme premier mandataire national, lui-même, il ne peut pas faire obstacle, il ne peut pas faire obstruction à personne institutionnelle, il ne peut pas camper en face qui a décidé et pour dossier avancer. Avec dit, lui demande mon mettez-vous à la disposition de la justice. Étant donné que Mounzaïo, il a mettez-vous à la disposition de la justice, qui sont questions morales, ou sont autorités de l'État, qui sont concernés, qui ont signé une résolution, moi je dis concerné. Ce n'est pas ministre qui a exécuté le projet. Il y a un ministre en projet. Il n'a pas participé à l'exécution. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un ami qui était directeur en télévision nationale. Il dit, je te demande un corps pour acheter un rad, habillement, pour mettre sous présentateur, présentatrice. 20 000 dollars américains. Il dit, c'est un chèque là. Et puis, il voit l'administration. Il a exécuté le projet, le programme ça dans la télévision. Mais radio, elle n'a pas payé radio. Est-ce que l'exact directeur général, qu'on est assez lui-même, qui n'a pas de papier, qui sorti, qu'on est dans Delma 2000, ou dans Richard Storm, le côté de la radio, pas de papier qui justifie les dépenses là. C'est lui qui est concerné. Mais est-ce qu'il était détourné 20 000 dollars? Non. Ça arrive très souvent. Par rapport à un pile monde qui a une responsabilité dans l'État, qui est ministre, qui est directeur général. Donc, c'est l'administration très souvent qui n'a pas assumé la responsabilité ou qui fait des dérives. Qui doit laisser supervision, laisser le ministre dans le Petro-Caribé, qui doit laisser supervision qui n'a pas fait travail, qui fait des dérives. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais au minimum d'observation qu'a fait, qu'on comprenne parfois, l'autorité à lui-même. Il pose une action qui entre dans le cadre de compétences, suivi par la main, et puis tout ça arrive, soit en termes de détournement, de dérive, tomber sous responsabilité et sous dol. Ça arrive très souvent dans le pays. Deux petites questions pour nous terminer, et déjà que nous avons ces premières parties d'émission. Est-ce que jusqu'ici, le gouvernement s'ayant gagné pas même l'impression, la conviction que, la certitude que la bien gérée question dossier Petro-Caribé. Jusqu'à présent, dans le cas, pas nous, dans l'action que nous avons posée concernant Petro-Caribé, nous croyons que nous agissons en réponse à
question qui a posé à nous agir dans l'intérêt population, dans mettre information disponible, dans prendre des dispositions à l'interne. Parmi les dispositions, ça y est, le ministère de planification, puisque dans la majeure partie des cas, c'est la planification qui a signé un projet avec les compagnies et avec l'autre instance dans l'État par rapport à domaine de compétences ministère là, champ de compétences ministère là, et bien, nous, jusqu'à présent, nous croyons que nous agissons, nous bien géré et nous agissons dans l'intérêt population. Le ministère là écrit toute instance dans l'État qui concernait pour mettre à la disposition l'information sur la question Petro-Caribe. Ça qui fait. Le ministère a dit, dans la semaine passée, ou bien commencé la semaine, tu es intervenu. Je promets que je suis capable de venir avec le ministre de planification, partager plus d'informations à vous sur la question. Bon côté par nous. Nous prenons un dossier ça comme dossier par nous. Petro-Caribe pour nous-mêmes, c'est une grande cause que je dis à nous de défendre. Eh bien, nous écrit toute compagnie qui concerne. Moi, je suis là, il y a 6 compagnies. Qui déjà, chita pour le ministre, nous rencontrons avec eux, qui se travaillent avec travail sous contrat ou avec exécuté, il y a des informations qui baillent. Nous avons compilé un gros dossier. Nous avons compilé un gros dossier. Et dossier information, nous avons partagé à la population. Étant donné que c'est sénateur Yuri Latondu, de son lieu de président de la commission éthique et anticorruption, qui te remet nous, liste de ses compagnies, c'est à lui-même d'abord pour nous acheminer et rapport nous par rapport à travail nous faire. Nous n'avons pas acheminé rapport là-bas, mais nous avons communiqué à la population en tout, sous action nous poser et sous éléments d'information nous arrivons recueillis dans le cadre d'échange et correspondance et ensemble avec ça, nous faire accompagner. Nous mettons moyens à la disposition, juge d'instruction qui concerne dans le dossier ça, dans renforcer la sécurité et dans tout autre moyen logistique que tu as besoin pour le faire travailler. Donc ça, c'est préoccupation par nous. Troisièmement, le gouvernement, en la personne du premier ministre, le lendemain de son investiture, là, il est dans la Cour supérieure des comptes pour entretenir avec le conseiller sur qui problème il y a. Qui ça a besoin pour faire dossier ça marche par exemple. Et qui l'autre qualité problème que la Cour a gagné, qui l'autre qualité besoin que la Cour a gagné. Les chita avec USCC, les chita avec UCREF, les chita avec IGF. Qui c'est l'inspecteur général des finances. Donc toujours dans le cadre de dossier Petro-Caribe, dans le cadre de dossier corruption en général, mais dossier Petro-Caribe de façon spécifique. Le gouvernement rencontre une quantité de monde. Le premier ministre, tout à l'heure, rencontre monde sur la question de ça. Nous ne pouvons pas venir dans la radio pour dire rencontrer YZ. Il y a des gens qui sont d'accord pour citer nous. Il y a tout qui dit, ah, qui te rencontre ça dans la discrétion. Dans le secret de l'État. Dans le secret de l'État, dans la discrétion. Donc pas faire publicité sur lui. Il faut respecter ça tout. Le rencontre de monde en privé pour me vulgariser. Il faut qu'on ait accord au monde. Sphère publique à sphère privée, il chaque dynamique fonctionnement par yo. Donc nous sous question Petro-Caribe, nous à travail constamment. Ça pas dit pour autant que Petro-Caribe empêche nous dormir. Ça va sans dire que en question aussi importante, non conjoncture, il pas capable pas occuper un bon espace dans le temps pour un ministre. Mais ça pas empêcher nous faire notre travail qui sur budget nous se dit tout à l'heure là que ministre décemment. Pas grande date pour dépôt dans le parlement. Personnellement, beaucoup échangé avec le ministre financier pour connaître qui le nous prévoit à déposer. Ça qui arrive à date la arrêté, mais même beaucoup gagné. Je ne suis pas capable de mentir là pour me dire, pour me voir monter et faire spéculation pour me dire c'est 9 mois, c'est commencé le mois de décembre. La si. Et si je me déconne de discuter sur le budget, je me demande au ministre qui le probablement pensé, nous avons déposé le parlement. Je suis que si vous avez arrêté, date là, tu as partagé la veille. La dernière question, toujours sur Petro-Caribe, sans vouloir être méchant à l'égard de l'opposition et des Petro-Challenge. N'a dit 18 novembre qu'a venu là son épée de Damoclès sous tête pays. Pourquoi pas sous tête bien monde, parce que manifestation de nos jours yo prend des allures violentes côté que moun a attaqué et manifestant a attaqué bien monde, infiltration ou pas, je ne sais pas, mais en tant que journaliste, je constate toujours qui et disposition qu'a prend au niveau du gouvernement pour que 18 novembre c'est pas seulement aller au niveau de Vertière faire cérémonie officielle et puis délaisser en partie dans pays quitter la main et des manifestants et moun qui a infiltré ou pas des manifestations pour faire des ordres. Qui disposition qu'a prend pour rassurer et population que tout va bien se passer le 18 novembre 17 octobre des grands pile monde dans la rue des vraiment pile monde dans la rue. Si les gens sont haïtiens, tu décides de faire violence, c'est Haïti qui t'a fait. Ça veut dire que les gens qui ont manifesté réellement sur le Caribe, ils n'ont pas de faire violence. Je pense qu'ils ont animé de même esprit. Continuer à faire revendication, il y a des réponses qui sont attendues dans les médias. Il y a des réponses qui sont attendues. Ils continuent à faire des exigences. Nous continuons à attendre.
gen réflexion, gen discussion qu'a fait pour connaître les questions ça continue à poser comment y a répondu parce que moun ça a une importance dans la société donc nous prenons en considération toutes les revendications. Par contre, gen l'autre monde qui décide de faire l'autre type d'action, yo assumer responsabilité yo. Moi m'en profiter occasion tout. Dans le gouvernement pour féliciter le travail la police a fait 17 octobre.